se servira toujours de l'espace que tu lui laisses dans ta vie. Monte ici. Ok, filme là. Reste là. Viens encore. Arrête-toi là. Vous voyez? Je suis là. Je peux circuler partout où je veux. Je vais à gauche. Je vais à droite. Mais dès que j'arrive ici, il y a une chose qui me limite. La présence de quelqu'un. Vous voyez ça? Viens encore. Là. Plus lui prend la place, plus moi, je perds mon espace. Maintenant, à un moment, il faudrait faire un choix. Soit c'est lui, soit c'est moi. De la même manière avec Dieu. Lorsqu'il y a la méchanceté dans ton cœur, Dieu occupe l'espace que tu lui laisses. Et très souvent, notre méchanceté avance. La méchanceté avance encore. La méchanceté avance encore. Et sans se rendre compte, il nous reste peu d'espace seulement. C'est là que les prières ne se réalisent plus. Parce que Dieu a peu d'espace. Au travers de cette prédication, mon objectif est que tu fasses ça. Tu le repousses. Tu le repousses. Tu le repousses. Un moment, il y a cet espace pour toi. C'est grand, mais ce n'est pas fini. Il est encore présent. Et c'est là que l'homme commence à dire Nga zakamute mamalam. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Repousse-les. Tu le repousses jusqu'à ce que la méchanceté descend, s'il te plaît. Alors, lorsque la méchanceté descend, l'Éternel occupe l'espace. Et c'est là que tu remarques une chose. Les hommes t'attaquent, mais ça ne fait rien. On te provoque. Les hommes forment des projets contre toi. Ça ne produit rien. Pour une seule chose, dans ton cœur, il n'y a rien du diable en toi. Ton cœur est pire. La pureté de ton cœur attirera les miracles plus que la prière. Vous pouvez tout revoir au www.moisembierministries.com.